Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai la patate. Donc on se retrouve ce soir pour du Final Fantasy IX. Et donc le live, je pense, durera à peu près une heure et demie comme d'habitude. Alors on s'est arrêté la dernière fois, on était sur le point de sauver, enfin sur le point. On allait partir sauver Daga, parce qu'on a, Jidan a enfin entendu qu'elle était en danger. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'elle l'est maintenant, hein, étant donné que Kuja, etc., lui tendait un piège. On a appris aussi qu'elle s'est fait voler ses invocations. En tout cas, pour le moment, elle ne s'est fait voler que Odin, de ce que l'on sait. Et donc, on verra si il lui en reste ou non. Donc, on va voir ça tout de suite, hein. C'est parti, mon kiki. Hop, je me trompe de fond de live. Tout va bien. Il voit qu'il y a que Hayato pour le moment de connecter sur le chat, donc merci à toi Hayato, hein, d'être tout le temps là. Ça fait plaisir. Et il n'y a pas l'image du jeu, pourquoi? Est-ce que ça va revenir l'image? S'il te plaît. S'il te plaît, tu mets l'image. Ah, ça y va pas. Voilà. Super. Oh, vous avez pas le logo de la PlayStation, mais c'est pas grave. Hein. Bon. De rien, c'est normal. Bah oui, mais je te remercie quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on était encore sur ce bateau, le bateau volant, avec ce magnifique thème audio. Vivi a quelque chose à te dire. Il y a des choses à te dire. Dit Jidan, tout à l'heure, le soldat a ordonné à ses hommes de retourner à Alexandrie par vasque de téléportation, n'est-ce pas? Allez, tous là-dedans, un moment. Allez, tous là-dedans. Il se casse tout le temps la gueule. Concentrez-vous. Daga, j'arrive. On arrive, hein. Et Quina, j'espère qu'on va vite la récupérer. Il faut qu'on s'évade. Vous êtes sérieux? On ne peut pas rester là. Je veux dire, ça me va, mais... Alors là, je vais devoir faire balancer. Allez, on y croit. Merde. Ah, on n'est pas synchro là. Allez, on va y arriver. Mais non! Mais ils sont débiles. Ils sont pas synchro là. On dit d'aller dans le bon sens pourtant. Mais arrête Steiner, putain. Et quand c'est pas Steiner, c'est Marcus qui fait de la merde. Allez. Allez, on y est. Voilà. J'arrive, princesse. Et salut, Mangal. Non, c'est pas vrai. Oh. En plus, là, ils sont pas vraiment au niveau, mes personnages. C'est vrai que je pense que le jeu est conçu d'une manière à ce que ce soit simple, là. Enfin, simple. Que les ennemis soient à mon niveau, parce que c'est vrai que cette équipe-là, on a très peu joué avec. Ouais, ça va. Ça va, ça va. En plus, ils prennent la fuite. Je suis trop puissant pour vous. Allez, Glacier Plus, quand même. Ça va me faire bobo, ça. Oh, bah non. Tu es faible, petit sorcier de pacotille.
Donc pour ceux que ça intéresse, hein, demain ce sera du BioShock. J'essaierai d'alterner, comme je disais sur le groupe Facebook, entre BioShock et Final Fantasy IX. Donc faire deux lives de Final Fantasy IX et un live de BioShock. Je vais essayer de faire comme ça, mais je vous promets rien. Je sais qu'il y a quelques personnes qui n'apprécient pas ce Final Fantasy et du coup ne viennent pas au live, mais bon. Ça, après, je peux le comprendre. C'est vrai quand même que BioShock et Final Fantasy, c'est deux trucs totalement opposés. Rien à voir. Allez, prends la fuite. Oh. En tout cas, dès que je le pourrai, Steiner et Daga, il va falloir qu'ils montent de niveau. Parce que là, c'est pas possible. Alors, on équipe. On va tirer un peu de ça. On va mettre ça parce qu'on a commencé à l'apprendre, mais on. Ah non! Il y a déjà. Ah non! Non, non, je dis caca. Sans toi, faut te le laisser. Donc, toi, c'est HP plus 10. Ok. Ouais, donc faut laisser tout ça. Pour lui, je veux rien lui mettre parce que j'ai peur qu'il se barre avec mon équipement. Je vais juste retourner dans le menu, me soigner. Il faut quand même pas mal de dégâts, ces petits monstres. Enfin, monstres, ces petits soldats. On va où? Ah oh, putain, mais il y en a encore. Je crois qu'il va y en avoir à l'infini comme ça. On va essayer de monter à l'échelle du milieu. Voilà, plus proche. Ça fait exprès en attendant, mais bon. Je gaspille un petit peu toutes mes potions. Oh là, ah ouais, avec cette épée, il rigole pas, Steiner. Vous savez, plutôt stylé, là, son épée bleue. J'aime beaucoup. Ah, ça monte de niveau, ça fait plaisir. Ah, je peux pas monter ici. Vous ne m'attraperez pas, je cours plus vite que vous, je suis Usain Bolt. Aïe. Putain, monte. Oh. Mais il s'arrête comme ça. Ah oh, mince, il est monté à une échelle, on ne peut plus avant, on peut plus lutter. Bon. Rien par ici, non. Ah, j'aurais pu péter le truc directement en étant là, quoi. Ça aurait été plus pratique. Princesse, je veux dire, je pars pour la forêt maudite, m'occuper de Franck. Et la princesse, quel ingrat. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah voilà. Vaurien, qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, ce vieux Steiner, on est bien à Alexandrie. Ah, je n'ai pas le temps de répondre à tes questions. Tu dois sortir d'ici au plus vite pour aller secourir la princesse. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Allez, on va la sauver. Allez, viens avec nous. Il n'en fait qu'à sa tête, comme d'habitude. Allez, suis-nous. Bon, papy, tu viens ou tu veux qu'ils aient le temps de tuer Daga? Tuer la princesse, ne dis pas de bêtises. C'est vrai, grand-père. Quand la reine Branette reviendra, ils tueront la princesse. Je l'ai entendu. Est-ce bien vrai, monsieur Vivi? Oui, on n'a plus qu'une demi-heure pour aller la sauver. Ah, c'est pas moi qui contrôle le perso. Hey, salut Marcus. Je m'occupe de tout. Tu s'occupes de rien. Ah ah. Bon, dépêchez-vous, on a du temps là. Merci. Je veux dire, je vais à la forêt maudite m'occuper de Franck. Je te fais confiance pour ça. Nous nous occupons de Daga. Non, il marche. Je suis boga, ça. En plus, on a du temps même dans le menu, quoi. C'est dégueulasse. Daga, où es-tu? Où es-tu caché, Daga? Par où faut aller, je sais pas. Non! Je ne voulais pas te combattre. Ouais. Et salut, Anaïs. J'aime pas quand il y a du temps. Ça me stresse. Ça se trouve, le truc est tout près.
Rappelez-vous le chrono de Final Fantasy VII, là au début, où il nous donne 10 minutes et le truc, on peut le faire en 2, voire 3 minutes. Allez, Steiner, casse-lui la gueule. Ah, ce qui est bien maintenant, c'est que j'ai Steiner et Vivi dans la même équipe. Donc ça va dépoter. Bonjour. On veut la princesse, mais non, il me semble avoir entendu pile et face dans la chambre de la reine. D'accord, dans la chambre de la reine. Non, 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 non. Oh, enculé! Désolé, je suis vulgaire. Ça me stresse, le chrono. J'espère ne pas vous stresser, vous aussi. Allez, on se dépêche. Pourquoi Steiner, il a plus de MP? Ah oui, parce que je fais des attaques à base de MP, c'est vrai. Faut que je le retire, ce truc-là. Parce que maintenant, les MP, j'en ai besoin. Allez. Allez, Vivi va vachement y arriver. Quoi, on l'a même pas tué, il a pris la fuite. Lopette. Undead Killer. On va voir ça. Est-ce que je peux changer d'arme? Il n'y a rien d'intéressant. Alors, compétences, on se dépêche. Parce que le chrono, lui, continue à tourner. Voilà. DF, ouais. On va mettre aussi des petits trucs, voilà. Un petit éther. Et en speed. On a déjà perdu 4 minutes. Là. Vous ne m'aurez pas. Comment ça va? Bah, ça va bien. Alors, la chambre de la reine. Oh putain. Où est-ce qu'elle va être, la chambre de la reine? Un magnifique tableau de la reine. On la reconnaît au premier coup d'œil. Allez, Jidan, tue-le s'il te plaît. Espèce de nul! Vivi ne l'a même pas terminé, quoi. Ah, mais c'est pas vrai. Allez, on n'a pas le temps là. Allez. En tout cas, il y a beaucoup de chronos dans ce Final Fantasy. J'avais un petit peu oublié qu'il y en avait autant. Oh là, oh là, oh l'esquive! Pop, pop, pop! Est-ce que c'est ici la chambre de la reine? Je sais pas. Y'a quoi là-bas? Il croit que je peux ouvrir. C'est bon. Ah, ça doit être là. Daga, où es-tu? Where are you, Daga? Heureusement, je connais le jeu. Je le bouge pour voir. Il y a un passage secret. Tin, tin, tin. Oui. Ah mais non, je... Laisse-moi monter. Voilà. Allez. Là, je monte dessus, ce qui va retourner en arrière. Hop, on prend les deux coffres. On est des fous. Nous guiennes. On s'en fout. Tente. Allez. Allez, mets-moi du bon côté. Merci. Bon, normalement, faut descendre, mais on va voir ce qu'il y a ici, là. Ah bah non, on peut pas. Tant pis. Allez, cours, petit Jidan. Cours, sauver Daga. Là, y a rien encore. Comment on fait pour aller à cette porte là? Ah, d'accord. À mon avis, il faut faire descendre tout en bas pour faire monter le truc. Crotte de bec. C'est pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que... Allez là! Pour battre pile et face, que faites-vous ici? Il faut toujours que l'on nous dérange. Nous ne vous le pardonnerons pas. Venez vous battre. J'ai pas peur de vous, moi.
plus j'ai mis tous mes MP. J'ai foudre plus et glacier plus. J'ai pas encore appris brasier plus. Ça ne serait tardé. Alors magic lame déjà, voilà, toi dans ta face. Soit tu fais sauter, soit tu fais voler. Alors, 700 de dégâts. Qui la météore? What? Tu fais pas météore? J'aime pas beaucoup le nom de cette attaque. Mite armure, il me semble qu'on en a déjà. La puissance de météore a été neutralisée. Espèce de naze. Stocké face à Atomium. Bon, il va pas l'avoir longtemps. Non, faut surtout pas Mitrilet, je sais pas ce que c'est. Mini Atomium. Oh, j'aime pas beaucoup ça. Là. Oh! Ça va, étant donné que j'ai beaucoup de PV. Ah, Freya, là, elle a atteint les 1000 PV. Ah, wesh. Ah, la souris. Qui la météore? Oh, là. Ah, merde, j'ai soigné Steiner. Ça, c'est un peu con. Voilà, deux persos vont rentrer en transe. Ça va faire mal. Allez, allez, on a du temps là. Marde alors. J'ai plus de MP. Faut qu'ils arrêtent de m'attaquer. J'ai plus de MP. Galaxia, c'est quoi ça? Allez, tu sautes encore. Truand. Tabloïd, sans ma prudence, une attaque physique. Pas autre chose. Allez, on va faire ça. Et salut qui s'y frotte. Ah, Steiner, ta transe, elle a duré 2 secondes là. Espèce de. Bon, allez, donnez des MP à Steiner là. Oh, putain, 1300. Peut-être mon coup le plus puissant pour le moment que j'ai lancé. Alors, essayer le glacier plus contre lui. Cadra, je vais toucher les deux. Allez, un petit foudre plus sur lui. Allez, prenez ça dans votre gueule. Putain, ils sont résistants les deux là. Ils en prennent du dégât là dans la tronche. Ah, quand t'en passe-t-il? Ah bah ils prennent la fuite. Barrez-vous, bande de lâches. Ah, nous en souviendrons. De toute façon, nous n'avons plus besoin de la princesse Grenat. Ça fait du bien de le dire. Comment ça? Grenat, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Hey, réveille-toi! Daga, on est là. Mzel, princesse, j'ai failli à ma mission. Ah ah, princesse, pardonnez-moi. Ah,
je ne suis pas digne d'être chevalier. Non, je ne suis pas digne d'être né. Et elle n'est pas encore morte. Oui, je sais. Freya, il faut sortir d'ici en vitesse. Daga, tu vas aller mieux, tu vas voir. Que va-t-il se passer? Il est déjà là, lui. Je dois dire qu'à force de courir, je suis fatigué. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je dois sauver Franck. Ah! Non, je ne peux pas échouer ici. Oh, un Mog! Regarde, Daga, il y a un Mog, il va te soigner. Eh, hey, monsieur le Mog. Je viens de recevoir une lettre de Kubo, veux-tu que je te la montre? Alors, mais c'est quoi ce tumulte? Un tumulte? En ce moment, il y a plein de soldats dans les rues. Le bruit court que la princesse Grenin est revenue à Alexandrie. Tu le savais? Elle avait fait une fugue parce que Kubo, elle n'avait plus confiance en la reine Branette. À quoi la reine et la princesse pensent-elles? Bah, je ne comprends rien à ce que tu penses... À ce que pensent les gens du château. T'as pas de courrier à me donner? Non. Je vais utiliser une tente. Parce que j'en ai qu'une seule tente. Elle s'appelle Josiane. N'importe quoi. Ouais. Et on sauvegarde. Allez, 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 on se dépêche. Non, pas cette blague. Et si? Je l'ai faite. Bon, c'est par où? Est-ce que c'est par là? Agitation. D'accord, merci Ayato. Alors là, c'est un cul de sac. C'est bien connu, un sac c'est un fessier. Bon, du coup, on va passer par où? Là, je suis dans le flou. Est-ce qu'il faut vraiment que je remonte par là? Je crois que je fail là, mais bon. On ne sait jamais. Allez, laissez-moi passer. Wouhou! Yay! On dirait que personne ne nous suit. Oh! Pourquoi? Sa majesté a-t-elle fait ça à la princesse? Moi, Steiner, je donnerai ma vie pour défendre ma chère, très chère princesse. Ça devrait être pareil pour sa majesté, non? Tu sais, Steiner, je te comprends très bien. Dylan, Mlle Daga va continuer à dormir? Mais non, elle est juste fatiguée. On va la laisser se reposer un peu, d'accord? Merci. Si j'étais resté avec elle, il ne lui serait rien arrivé. Je suis désolé, Daga. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne te ressemble pas à ce que tu es en train de dire. Avant, dans un moment pareil, tu t'en serais pris à moi. C'est pas vrai! Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que... Si la colère et la haine sont trop grandes, on oublie ses sentiments. On peut même plus en pleurer. Jidan. Ils sont là! Ce sont eux! Il y a la dame avec un zizi qui est arrivée. Steiner, il y avait longtemps. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Ne me dis pas que tu t'es accoquiné avec ces barbares. Quoi? C'est nous que tu traites de barbares? Tu n'as toujours pas compris à ce que je vois. Oh merde. Va se battre avec...
avec son pénis. Bon allez, on va encore te voler des trucs, etc. Bon, par contre là j'ai pas Quina, donc je vais pas pouvoir me protéger. Allez, un petit foudre plus dans ta face. Faire l'été. Parce que j'aime bien l'été. Du soleil, il fait chaud. Oui, je sais, je l'ai déjà fait cette blague. Mais je l'aime bien. Alors j'ai le droit de la refaire. Ah, ça c'est le truc qui va me rester un PV. Ah non. Ça c'est un autre truc. Allez, Bibi. Génial. Je vole du René maintenant. Truc qui sert à rien. Mais non. Mais c'est pas vrai. Bah oui, bah gne gne, débile de Bibi. Ah, il va le rater, bah oui, bah tant qu'à faire. Choc, ah bah encore. Ah, je suis choqué. Allez. Voilà. Ça devrait être pas mal. Bon, il faut qu'on fasse des dégâts quand même. Parce que on prend juste chier dans la tronche. On a peut-être dû faire l'été avant de l'envoyer dans les airs. Bon, c'est pas grave. Ah, ça fait mal, hein, ça picote. Bon, elle aussi a fait pas mal de dégâts. Alors, on va faire l'été. Pense à quoi, réduit la défense d'un adversaire. Ça marche jamais contre les boss, ça. Ni faire foutre. Allez, l'été, le vol raté, mais va te cacher, espèce de voleur des foudroles. Pourquoi je lis foudre troll, je sais pas pourquoi, je le vois, je le lis dans ma tête, mais ça va pas. Allez, on va te battre, Beat. Beat by Dre. Allez, hop. Freya. Ah, tu as donné un éther. Mais ça me fait chier de t'utiliser pour ça. Après que ce soit Vivi, par exemple. Wow, 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 wow. Doucement. Se calme, madame. Il s'y frotte. Allez. Allez, Jidan. Tu peux réussir à voler. C'est l'Aladin. Ah, mais Jidan, mais va te pendre. Voleur de 6 sous, là. Putain. Allez, monsieur Vivi, fusion. Ah, le tapis volant, c'est plutôt Freya qui l'a. Hein, parce que vu comment elle reste longtemps dans les airs, je sais pas, elle saute sur quoi, mais c'est un super trampoline. Hein. Vol raté, mais va te pendre, Didan. Va te pendre par la bite. Ouah, Vivi, t'es mort. Mésentente, c'est quoi ça, mésentente? Pourquoi tu fais mésentente? Ah, que se passe-t-il? Le combat est terminé, je détruirai tous les ennemis d'Alexandrie. Mortimer! Bah non, je suis pas mort, il me reste un PV. Ne revenez plus jamais par ici. Ah, tu vas me laisser la vie sauve alors. Vous êtes bien trop faible pour espérer me battre. Attends un peu.
Tu es général de l'armée d'Alexandrie, c'est bien ça? C'est quoi pour toi ta mission de général? Tu devrais protéger Daya, pardon, la princesse Grenat, non? D'après toi, qui est évanouie sur ce trône? Mais c'est la princesse! Je vois. Sa Majesté a donc essayé de la tuer. Quoi? Sa Majesté aurait fait une chose pareille. Steiner, je n'ai qu'une chose à te dire. J'ai hésité trop longtemps, mais c'est fini. Tu dois reconnaître que je me suis trompé. Ça m'ennuie de le dire, mais elle a raison, Steiner. Je pense que mon crime à l'égard du peuple de Blumessia est impardonnable. Bien sûr, je ne saurais te pardonner aussi facilement. Mais pour le moment, j'aimerais sauver Daga avant tout. Freya, il va falloir prouver ton courage. Puis-je compter sur toi pour sauver cette jeune fille? Je ne sais pas jusqu'où va mon courage, mais je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Princesse, laissez-moi vous aider. Notre sortilège ne disparaîtra pas aussi facilement. Ce que vous faites est inutile. Ma tête. Qui m'a mis trop d'alcool dans mon verre? J'ai pris une cuite. Princesse, comment vous sentez-vous? Oh, j'ai envie de dégueuler. J'ai mal à la tête. J'ai... Daga, c'est moi, Jidan. Tu me reconnais? Mlle Daga, princesse. C'est bon, elle était pas assez bourrée pour vous oublier. Oh, vous êtes tous là. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Ces gens ont enlevé la princesse Grenat. Je vois. Vous lui avez enlevé toutes ses chimères? Nous les avons toutes enlevées. Alors, arrêtez Grenat. Et mettez-la dans un cachot. À vos ordres. Retirez cet ordre. Oh oh. Me contredit, petite garce? Votre Majesté, j'ai pour mission de protéger la princesse. C'est pourquoi je ne laisserai personne s'en prendre à elle. Je m'occupe de tout. Fuyez, bande d'imbéciles. Je reste. Jidan, partez vite. Il n'y a pas deux minutes, vous étiez ennemis et maintenant vous êtes complices, comme c'est intéressant. Pile, face, ils m'ont vraiment énervé. Massacrez-les sans pitié. Mère, je te boude. Na. Freya, couvre-nous. Compte sur moi. Allez, Daga, on y va. Bon, Steiner, tu fous quoi? Princesse! Mets-les en pièces. C'est quoi ce gros chien? Ah merde, c'est moi qui fais combat en plus. Ah ça c'est pas cool. J'espère que Steiner a récupéré tous ses PV. Putain. Chihuahua de Beverly Hills. On va faire l'été. Alors, elle a quoi? On va faire choc. Un chien lapin, ouais c'est ça. Ses grandes oreilles. Et voilà, merci Beat. Merci ma Beat. Bon, faut arrêter avec ces jeux de mots pourris là. C'est pas possible. Non, on n'a pas 13 ans, merde. Bon, même si c'est marrant, mais. Arrêtez maintenant. Putain, il est encore là. Ah, tu m'as pas eu. Allez, on se dépêche. Arrive à passer, hein. C'est trop nul hein, trop lolol. Ah, le truc est monté tout seul. Oh merde, des mages noirs. Des mages noirs. Bon sang, on est encerclé. Non, on peut courir de l'autre côté si tu veux. Tuer. Juste un gros chien. Un chien pain.
Bon, messieurs les mages noirs. Steiner, il est là maintenant. Non mais faut le jeu. Ah non, oui, bah oui. Non, non, c'est moi qui dis de la merde. Je suis complètement perdu. Invoquer. J'ai plus d'invocation. Contre poison, attaquer. Ah, ah, elle a rien, elle est nulle. Carapace, ça sert à rien. Allez, monsieur Vivi. Un lâche-chien. Ouais, c'est ça. Allez. Tu fais trop de dégâts, Daga. Dégâts, Daga. Oh. Ouais, ta gueule. C'est pas possible. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Hein. Je suis en forme. Hein. Oula, oula, oula. Tout le monde monte de niveau. C'est la fête à Bibi, là. Oui, j'ai dit Bibi parce que c'est le mot qui s'appelle Bibi. C'est pas parce que j'ai voulu dire Vivi. Hein. Non, 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 non. C'était pas un fail. On a... Pas débile. Alors. Camp... Non, équipement. On va voir. Parce que là, ça fait quand même un petit moment... Donc on va mettre ça. Entomo killer. Killer de emo. Alors, toi. On va mettre ça. Autopotion. Je l'activerai jamais ce truc. Donc non, ça je garde ma force. D'ailleurs toi tu vas le prendre. Et c'était Daga qui pouvait faire des scans. Je sais plus ce qui m'avait posé la question. Je crois que c'était Ayato la dernière fois sur le dernier live. Vie, oui, vie. Vie ta vie, Daga. Protection, ouais. 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 Parce qu'il n'y a rien d'autre, hein. Alors tout doux, y a pas un autre truc qui apprend tout doux, non? Donc on va attendre qu'il s'apprenne tout seul. Eh, moi je voulais passer par là, là, fallait laisser le truc. Oh putain! T'as le droit de venir comme ça, là, de te prendre pour Sangoku et de voler partout? C'est un chien volant. Un chien lapin qui vole. En plus ils sont deux, bah... Il y a du slip là. Du coup. Certainement à rien à toi. Provoque l'autisme. Provoque l'autisme, oui, putain de merde. Je vais pas essayer de les voler, c'est pas des boss. Des monstres qu'on pourra rencontrer aléatoirement. Parfois. Je me souviens bien. Voilà, je l'ai rendu muté. Il va demander sa mutation. Je vais aller travailler autre part. Des volachiens, exactement. On va leur trouver tous les pseudos du monde. Oh, ce coup d'épée. Oh, ce coup d'épée. Enfin, Daga, elle a même pas eu le temps de soigner. Quoi. En tout cas, je ramasse beaucoup de René et des objets à la con comme ça. Il y a la con parce que bon, remettre en vie un personnage avec 5 PV, c'est limite le tuer pour qu'il se suicide ensuite, quoi. Donc, Entomo Killer. Alors, niveau plus, ça il faut que je le mette tout de suite. On va le mettre à la place. Donc, niveau plus, il m'en faut 7. Allez, quand même. À la rigueur, je retire contre-attaque parce que ça a pas l'air de marcher. Hein. Je l'ai pas vu contre-attaquer une seule fois le Steiner. Donc, fuck. Voilà. Hey, Steiner, où il est? Allez, mon vieux, dépêche-toi, on t'attend.
puis-je rester ici? Bah, pourquoi faire? Bit s'est révoltée contre sa majesté, à qui elle avait juré fidélité. Et bien qu'elle ait tué ses amis, Freya combat à ses côtés pour protéger la princesse. Attendez, vous vous rendez compte? Il fait confiance à Didan, ça veut dire. Il a enfin gagné la confiance de Didan. Enfin, Didan a gagné la confiance de Skyver. Et vu la colère de sa majesté, elle les tuera toutes les deux. Didan, j'ai une requête à te présenter. Oh là, ça s'arrange pas. Conduis la princesse saine et sauve jusque chez Maître Toto. Il saura comment sauver Alexandrie et y ramener la paix. Pas de problème, fais-moi confiance. Moi aussi, je ferai de mon mieux. Monsieur Didan, Monsieur Vivi, j'ai entièrement confiance en vous. Princesse, adieu. Steiner! Ils font ça pour moi. Exactement, Daga. Ils font ça pour toi et pour Alexandrie. Ils vivent pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester ici. Pour ça que tu dois pas mourir ici. Tu dois vivre. Mais moi, j'ai... Mais moi, je suis une petite fille. C'est pas le moment de réfléchir. Yep, j'avais vu Hayato. Oh, le gros chien, il va faire couche panier dans de petites secondes. Tu vas faire couche panier. Tiens, prends-toi un coup de canne. Hey, t'es mort là. Couché. Ouais, mon équipe se rétrécit petit à petit. Ça me fait un peu chier. J'aurais eu Quina, bah. J'aurais voulu manger le château. Allez, on fonce. Allez, let's go. Quina. Où es-tu, ma chère Quina? Voilà, voilà. Ça va, vous y arriverez. Il m'en faut plus pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Faut se satisfaire d'une échelle. Ouais. En tout cas, ne vous excitez pas, Bit ne restera pas dans notre caleçon, dans notre équipe. Elle est juste là pour ce passage du jour. Voilà, on n'a pas besoin de Freya, on a la Bit. Voilà. Oh mon dieu. Ce live du n'importe quoi. Il était temps. Il est trop tôt pour se relâcher. Il vient de lire ce que vient de dire Kissy Frost, ça m'a fait rire. Bit, Freya, Steiner, Adelbert Steiner, Captain des Brutos. Je viens prêter main forte à vos deux admirables personnes. Plus tard les présentations. En plus tu sers à rien. Bit a peut faire tout seul. Toute seule. Allez, encore des chiens. Voilà. Hop, une pierre de coup. Au revoir. Merci d'être venu. Ah, c'est l'XP facile, hein. On nous donne des niveaux. Allez, par où qu'il faut aller? Parce que là, on pouvait pas avancer ici. On était un petit peu bloqué. Ah bah là, comme par magie, on peut passer. Hein? Ah non. On est piégé! Oh mon dieu! Nous vous avons encore eu. La vue est toujours aussi belle. Venez vous battre, sale lâche. C'est là notre façon de faire. Vous ne nous dérangerez plus. Ça marche pas à tous les coups. Mais lui, il était dans la forêt. De notre gueule. Didan, désolé de t'avoir fait attendre. Frank, tu es en vie, Frank. Frank is alive. Frank, par ici. Attends, laisse-moi le temps de me remettre. Mais si on ne se dépêche pas, Didan et Daga vont être en danger. Daga, c'est qui? La nouvelle conquête de Didan? Je veux dire, c'est vrai que t'es pas au courant.
Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Plus vite, Frank. Voilà, voilà. T'arrives à compagnon. Mon dieu. Et quand j'ai su ce qui se passait, on a appliqué aussi vite qu'on a pu. T'es vraiment un type bien. L'arrêt de la Gorgogne est juste à côté. Frank, Marcus, je... Plus tard les remerciements. Pour l'instant, partez vite. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Je te revaudrai ça, Frank. Allez, let's go! Bon, ça va, Vivi commence à prendre l'habitude de courir là, il arrête de se casser la gueule. C'est par là que vous êtes arrivé? Naga, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, c'est normal après ce qui était arrivé. Voilà quelque chose. C'est ça la Gorgone? On va monter dedans? Pas le moment de traîner. Montez! Daga! Que dois-je faire? On y pensera plus tard. Pourquoi ils sont restés d'après toi? Parce qu'ils le voulaient. Parce qu'ils devaient se battre. Beat, Freya, Marcus, Frank, et même Steiner, ce gros con. Ils sont tous pareils. Tu dois respecter leur volonté et tout ce que t'as à faire. On est parti. Hey! C'est moi. Mais où? Dites où on va. Pour l'instant, on va à Tréno. Après, on verra. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est... Encore un boss? C'est son prédateur, c'est ça? Fais attention, il n'est pas comme avant. Effectivement, avant, il était blanc... bizarre, et là, il est vert, il a des cornes. C'est pas le même. Alors, petite magie noire, donne ta face. Voilà, j'ai raté mon vol. Ouh, ça fait bobo. Un daga là, que 329 de PV quoi. Mon dieu. Pas grave, on soigne tout le monde. Ouais, vas-y, Jidan, va te cacher. Ah, Jidan est tout petit là. À cause de cet ennemi là qui m'a ridiculisé. Planté. Je suis pris pour Nabila. M'a planté. Ouais, mais bon, 4 levels, c'est pas suffisant pour attraper les autres. Allez, attaque Nabila! Mais arrête, putain, mais tu sers à rien, Jidan, avec tes vols. Il faudra que je remette la compétence, là, pour avoir plus de chances de réussir les vols. Bleurgh. Ah, là, Priscan, Dominique, Strauss-Kahn. Non, mais non, 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 non. Et voilà. Elle bouge, elle se traîne un peu, non? Hé, hey, accélère! La pauvre, elle a encore peur. Elle ne peut pas aller plus vite. Hein, pourquoi? Elle accélère, tu vois, quand elle veut, elle peut. Hein? Tu te trompes, Jidan, regarde. Oh mon dieu. Je vais te manger, enculé! Il nous suit! Oh non, à cette vitesse, nous allons rater Tréno. Père Noël qui va pas être content. Les Tréno du Père Noël. Non. Il faut que j'arrête là, c'est pas possible.
Mais combien de temps qu'on est en live d'ailleurs? 50 minutes, mon dieu! Il reste à peu près une quarantaine de minutes. Je crois qu'on vient de dépasser l'arrêt. Bon sang, on ne peut même pas descendre. Dylan, devant. Quoi? Ah! Quoi, il y en a un autre? La route! Ah! On va... On se calme. Une sortie? Ça buguait un petit peu là, mais... Pas grave, on a pu lire, c'est l'essentiel. Mère. Votre Majesté. Vous nous gênez. Allez, laissez-nous passer. J'ai ordre de ne pas vous laisser entrer dans la chambre de Sa Majesté. Donnez-moi votre message, je le passerai à Sa Majesté. Donnez-moi votre message. Ceux que nous avions l'ordre d'appeler sont arrivés tout à l'heure. Pouvons-nous les laisser passer ici? Je vais demander la permission à Sa Majesté. Restez là. Votre Majesté. Bien. Dites-leur de venir voir Sa Majesté. Ce n'est pas la peine que vous reveniez. Qu'est-ce que cela veut dire? Sa Majesté est en colère contre vous, à cause du pendentif. Elle ne veut plus vous voir. Allez leur dire de venir voir Sa Majesté. Vite! Oh non! Qu'est-ce que nous allons faire? Sans l'appui de Sa Majesté, nous ne pourrons plus rester au château. En tout cas, il faut vite aller les appeler. Allons les appeler. Oh! Quel beau spectacle! Ah, nouveau personnage. T'es qui? Laisse-moi passer. J'ai des ordres de Sa Majesté. Pousse-toi, je suis pressé. Soyez bien poli devant Sa Majesté. Quoi? Tu parles? Pour qui tu me prends? Je n'ai jamais raté aucune proie. On m'appelle l'ami. Audrey, l'ami. Non, chut, tais-toi. La belle chasseresse. Ne l'oublie pas. Oh, votre majesté. Je suis très heureuse de vous voir. Vraiment heureuse de vous voir en si bonne santé. Arrête de me parler de cette façon. J'ai l'impression que tu me connais, que tu ne connais pas les bonnes manières. Mais votre majesté, est-ce que vous m'avez appelé pour m'apprendre les bonnes manières? Surveille ton langage, petite insolente. Je vous ordonne d'accomplir deux missions. Primo, récupérer le pendentif que Grenat a emporté dans sa fuite. Secondo, tuer le mage noir qui accompagne Grenat. Il est vêtu de bleu, comme eux. Qu'est-ce que c'est que ces hommes? Ce ne sont pas des hommes, ce sont des golems sans âme. En ce moment, il y a des mages noirs de mauvaise qualité qui se baladent un peu partout. Il faut les récupérer avant que d'autres pays s'y intéressent. Je sais que les affaires du château ne me regardent pas, mais si la princesse Grenat nous résiste... Surveille ton langage, tu dois récupérer le pendentif. D'accord, je pourrais donc utiliser cette arme. Je vais régler ces missions plus vite que ce grand gaillard. Permettez-moi de me retirer, Sa Majesté. J'ai entendu dire qu'un homme avec la queue agissait de concert avec la princesse, c'est vrai? Ce singe, il me gêne tout le temps. Si tu le tues, je te récompenserai. J'étais sûr qu'il serait avec la princesse. J'en fais mon affaire. J'accepte votre offre. Votre Majesté, votre flotte va passer sur le littoral. La Rose Rouge est prête à appareiller. Ce moment est enfin arrivé. Allez, il est temps de partir. Let's go. Bon.
Bah, on va pas être tranquille encore. Hein. Pinnacle Rocks. Où est-ce qu'on est? Mère. Maman. Ah, je sais. Vous allez être content. Et Vivi, et nous sommes sauvés. Où sommes-nous? C'est Pinnacle Rocks, pas loin du château de Lindblom. Pinnacle Rocks? Pinnacle Rocks? Lindblom? La Gorgone nous a amenés jusqu'ici. Où est Freya? Où sont Steiner et Beat? Et puis, où est Jidan? Ils se promènent près d'ici. Daga, t'es réveillé? T'es pas blessé? Jidan, où sont les autres? Je sais pas. On est arrivé vraiment loin. Mais t'inquiète pas trop. Les Tantalas nous aideront. À bientôt, le jour va se lever. C'est possible qu'ils nous cherchent à traîner en ce moment. En ce que... Est-ce que nous pourrons emprunter un vaisseau à Lindblom? Une fois à la porte sud, traîneau n'est plus très long. C'est vrai. Oula! C'est quoi ça? C'est Papy Grenier? Un ennemi! Il dépend de vous que je sois votre allié. Je m'appelle Ramu. Il me semble connaître ce nom. Dans la bibliothèque du château, j'ai trouvé votre nom dans un document historique sur la magie chimérique. Êtes-vous Ramu le Terrible? Sais-tu que ta magie chimérique a détruit Clara? Une chimère est toujours fidèle à la volonté de celui qui l'invoque. La magie chimérique a provoqué un accident tragique car son utilisateur était trop avide. Oh non, it's my mom. Je ne savais pas ce qu'elle faisait. Mais moi, je ne sais qu'être protégé. C'est pas de ta faute, Daga. Ils sont toujours avec toi, alors ils sont restés là-bas. Je ne le savais pas. Certes, ce n'est pas toi qui as détruit Clara. Je n'aurais qu'une question. Qu'est-ce que tu vas faire? Si j'étais plus forte, si je pouvais contrôler mes chimères, je vous en supplie, prêtez-moi votre force. Peux-tu encore faire des bêtises? J'avais peur de la magie chimérique. La magie chimérique est redoutable, mais... J'erre dans ce monde depuis que j'ai perdu mon dernier hôte. Il y a déjà très longtemps de cela. Je vais te faire passer un test pour voir si tu es vraiment digne d'être mon hôte. Mes 5 doublures sont cachées dans cette forêt. Chacune d'elles porte un élément de l'histoire du héros. Trouve les 5 éléments et construis une histoire. Si ton histoire me plaît, je te prêterai ma force. Pardon, je vous empêche d'avancer. Pas de problème, Daga. Je vais t'aider, Mzel Daga. Jidan, Vivi, merci. Donc je pense qu'on va faire ce petit passage là pour avoir Ramu. Et on s'arrêtera ensuite. Alors, il y a longtemps que je n'ai pas eu de courrier. Et tu veux pas m'en donner. On va sauvegarder. Hop. Une très belle zone d'ailleurs. Faut qu'on profite de ce décor parce qu'il me semble qu'on ne pourra plus jamais retourner ensuite. Alors, trouvons les trucs du héros de mes fesses. Il y a longtemps, 33 petits pays étaient en guerre contre l'Empire. Un groupe de résistants demanda de l'aide à un dénommé Joseph, qui vivait seul avec sa fille. Joseph leur était redevable. Il accepta de les aider et partit pour une caverne dans la plaine glaciaire. Ce chapitre s'appelle Genèse. Il t'en reste 4 à trouver. D'accord. Il va y avoir des combats aléatoires si je me souviens bien. Dans notre joie. Arrivé au fond de la grotte, Joseph permit au groupe de résistants de vaincre Lamantine, le Pokémon, et de s'emparer de la cloche de la déesse, qui devait leur permettre de pénétrer dans le palais de l'empereur. Ce chapitre s'appelle Assistance. Il t'en reste 3 à trouver. Rien de bien compliqué. Hein.
Ah d'accord, j'ai tourné en rond. Ah là, il y a un coffre. Mid-gilet. Gilet, la perfection masculin. Non, mais non, mais non, mais non. Pourquoi? Pourquoi je dis des choses comme ça? Oh là! On se souvient de lui. On te connaît très bien, foutu monstre. On va pas. Voilà. C'est ça qu'il va me donner une carte. Parce que j'aime bien la carte de ce monstre là. Parce qu'elle est assez puissante, bah, comme le vrai monstre en fin de compte. Ah Vivi. On va essayer de. On va essayer de ne pas utiliser de MP. Ah mais là Vivi rentre en transe. Ah. On va être obligé du coup. On l'a déjà rencontré, hein, rappelez-vous, pendant la fête qu'il y avait dans la ville là, avec la chasse aux monstres. C'est le monstre qui m'a remporté, qui m'a fait remporter le championnat avec max de points. Ah mais non, oui, j'attends. Voilà. Vivi devrait l'exploser. Oh, elle a volé la dague. C'est ça, Yato. Je suis Vivi qui clignote. Vivi en mode sapin de Noël. Bah. Il me reste 3 à trouver. Par où qu'on va? Oula. Tu me veux quoi toi? Il y a 5 doublures, il faut qu'on en cherche encore 3. C'est pas vrai, tu renonces? Mais non, je renonce pas. Je m'en prie pour qui? Descendre. Hop là. Mid-gilet. Ça doit être caché. Au retour, ils furent trahis par Bogen et tombèrent dans une embuscade, mais le sacrifice de Joseph leur permit de s'échapper. Toutefois, quand ils revinrent en ville, il ne dit rien à Nelly, la fille de Joseph, qui attendait le retour de son père. Le chapitre s'appelle Silence, il t'en reste 2 à trouver. Bon. Où que ça va être? J'hésite à utiliser une tente, on va le faire. Histoire de récupérer. Parce que les monstres ici sont quand même plutôt balèzes. Allez, plus que 2 à trouver. Ah, j'aurais eu Quina là, j'aurais pu essayer de les manger. Malheureusement, elle est pas là. Ah, j'ai hâte vraiment d'avoir tout le temps mon équipe type là. Ça me fait bizarre de me retrouver d'ailleurs à 3 personnages sur l'arène. Parce que c'est ce qui est normalement dans les Final Fantasy, c'est 3 personnages, mais dans celui-ci c'est 4. Et là, ça fait bizarre de revenir à 3. Ça dans ta face. On va retourner à la première zone, ça se trouve il y en a un ici. Ah, si on peut. Ah, mais non, mais sérieusement là, faut pas déconner les combats. Arrêtez. Vivi
vie a vraiment pas beaucoup de MP. Là, ça va descendre super vite les MP de Vivi. Ça te fait XP un peu d'aga, oui, mais ça après je peux le faire hors live. Je pensais qu'il allait avoir le temps de m'attaquer au moins une fois. Mais non. Zidane toujours aussi doué pour voler, n'est-ce pas? D'accord, il craint pas la foudre ce monstre. Ah bah, on vole une tente. On espère qu'il va pas tarder à crever quand même. Ouais, monsieur Vivi. Dis-moi qu'après ton coup il va mourir. C'est mal, salopard. Merci, monsieur Vivi. C'est ça, Yato. Je rajouterais même un poit poit. Tellement cette blague est énorme. Et Zidane a atteint les 1000 PV, j'ai même pas fait gaffe. Daga d'ailleurs, au niveau des compétences activées. Merde. Moi ouais, t'as vraiment que dalle. Bon bah. Y'a rien ici. Ah, il est là, Papy Grenier. Les historiens modernes pensent que l'embuscade et la traîtrise ne changent rien au fait que la jeune fille ait perdu son père. Sa mort, plus que ses paroles, fit de lui un héros. Ce chapitre s'appelle Héros. Il en reste un à trouver. Le dernier va être hyper chiant, je suppose. Il va encore utiliser une tente. Parce que j'ai pas envie d'utiliser mes éthers, etc. Ça, je préfère les utiliser en combat. Puis c'est que ça coûte plutôt cher en plus, ces trucs-là. Allez, on se dépêche. Oh, putain, mais non. Pourquoi? Ça va, eux, ils sont plus simples à vaincre. Viens, coup de canne dans ta face. Bon, allez, Zidane, tu le tues là. Oh, mais Zidane, pourquoi t'as pas été plus rapide? En plus, Ferry, je peux pas le faire parce que c'est lié aux invocations. Vivi est le plus fort du groupe maintenant. Bah, oui et non, parce que Vivi sans MP, Vivi il sert à rien. Comparé à Zidane, il n'y a pas besoin d'MP pour faire des dégâts. Attends des choses intéressantes. Mec tout doux. Non, toi, ça c'est bon. Non, désolé, hein, je regarde encore, je vérifie. Je veux pas perdre de temps. Avec les magies, ce serait bête de garder un équipement qu'on a déjà
qu'on a déjà appris toutes ses compétences. Non, ça, je passe comme ça. Herboriste et blindage. Ok. Bon, alors, où est-ce qu'il va être le dernier truc? Où est-ce qu'il peut être? Toi, je connais ton point faible. Enfin, vous connaissez qu'il faut pas faire la foudre. Oh! J'ai presque 200 de dégâts en plus avec cette arme. Plutôt pas mal. Ok, merci d'être venu le monstre. Je ne pensais pas te vaincre aussi rapidement. Et la gars qui monte d'un niveau. Ouais, c'est le foie cochère. Yeah, il faut encore en trouver. Je renonce. Mais non, je ne renonce pas. Où est-ce qu'il va être? Où te caches-tu? What? Quoi ce... Non, ça ressemblait, mais c'était pas le même endroit. Où est-ce qu'il va être? Hé, hey, t'es caché là. Les historiens modernes pensent que l'embuscade tendue par un traître est une invention des résistants destinée à cacher la vérité. Et que c'est la honte qui les poussa à ne rien dire à la fille de Joseph. Ces héros n'étaient en vain, en fin de compte, que des hommes. Le chapitre s'appelle Humain. C'est le dernier. Ah, je voulais passer à gauche. Je pensais que c'était plus rapide. Ah, je me suis tapé un combat. Oh, des chauves-souris. Allez. Il se fera tu. C'est chiant de pas avoir de personnage qui fait de dégâts au corps à corps. Que Jidan. Allez. Ça m'a refroidi un petit peu là, ce passage du jeu. Faut chercher tout, c'est chiant. Puis le combat aléatoire, c'est chier. Ouais, je sais pas, Yatoum. Ou j'hésite. Allez, pas de combat, pas de combat, pas de combat, pas de combat, pas de combat. Merci. Tu as enfin trouvé les 5 éléments. À présent, fais en. Faisons une histoire. 4 de ces éléments sont vrais. Parmi ces 5 éléments, il y en a un faux. Alors choisis-en 4. Tu es prête. On y va. Quel est le début de l'histoire? Alors ça c'est il y a longtemps, 33 petits voyous étaient en guerre contre l'Empire. Je pense que ça c'est le début. Parce que c'est il y a longtemps, blablabla. Oui. Arrivé au fond de la grotte, Joseph permit au groupe de résistants... Ah oui, d'accord. Non, c'est pas ça.
Là, ça doit être la fin. Parce que là, arrivé au fond de la grotte, à quel moment on voit qu'il est dans une grotte là? Vous serez trompé sur le premier? On va mettre au pif, écoutez. Blablabla. Tu es prête, oui. Bon. L'histoire moderne pense que l'embuscade est là. Que sa jeune fille ait perdu son père. Ouais, c'est bien ça le début. Hein. Donc ça doit être assistance. Au retour, ils furent trahis. Hein. Bah, silence. J'aimerais te poser une question. Pourquoi as-tu choisi humain pour finir l'histoire du héros? Parce qu'ils étaient proches du peuple. On lui consacra un chapitre de la chronique. Parce qu'on le vit verser des larmes comme tout le monde. Il devint un héros inoubliable et continua à vivre dans les mémoires collectives. C'est une réponse exemplaire, mais je voudrais connaître ton avis. Mon avis? Bien que je ne sois loin de mon pays, je n'oublie jamais mon entourage et le peuple d'Alexandrie. Ton âme est bien tendue. Si la magie chimérique peut te défendre, te détendre, je t'offre mon âme. Je vous remercie. N'oublie pas qu'il y a toujours plusieurs choix et que c'est à toi de décider. Peridot. La magie chimérique devrait m'aider à... Allez, on part à Lindblum. Hey, Pépé. Il est déjà parti. Qu'est-ce que t'as? J'aurais voulu savoir pourquoi toutes ces questions. C'est la postérité qui fait de nous des hommes ou des héros. Comment dire? À quoi ça sert de critiquer les décisions des siècles plus tard? Je crois que même si Mzel Daga avait fait l'autre choix, ce vieillard l'aurait aidé. J'en suis pas sûr, mais c'est ce que j'ai pensé. Dylan, Vivi, venez! Exactement. Même si la postérité juge mal ta décision, il te faut toujours avoir l'esprit ouvert. Elle n'en a peut-être pas pris conscience, mais elle a récupéré ses facultés d'invoqueur en recherchant mes doubles. Parce qu'elle voulait vraiment utiliser la magie chimérique. C'est l'utilisation qui en est faite qui rend la magie chimérique bénéfique ou maléfique. Elle est un peu têtue, mais elle a un bon fond. Protégez-la jusqu'au bout. Vous êtes important pour elle, je vous la confie. Oui, compte sur nous. Oh, regardez, le château de Lindblum. Hey Didan, si on descend par ici, mais on ne pourra plus remonter. On va descendre. On en a fini avec cette zone. Didan. Je voudrais utiliser la magie chimérique pour le bien de tous. Je suis sûr que tu y arriveras, Daga. Didan. Regarde. La rose rouge.
Et voilà, les mages noirs ont attaqué Lindblom. Cette lumière des vasques de téléportation, elle envoie des mages noirs dans le château. C'est comme à Clara. Elle fait d'abord attaquer les mages, ensuite elle anéantit le reste à l'aide de la magie chimérique. Mais non, pourquoi, mère? Mère! Daga! Eh oui, c'est une chimère, ça, Yato. C'est trop calme. C'est affreux. Mère, comment a-t-elle pu attaquer Lindblom? Faites attention, ils sont peut-être pas tous partis. Eh Vivi, cache-toi par ici. Non, je veux pas. J'ai peur tout seul. Écoute, il y a des soldats d'Alexandrie. Ils te reconnaîtront tout de suite. T'es un mage noir? D'accord. Aie pas peur, on revient te chercher dans 5 minutes. Reste ici, Vivi. Oui, j'ai compris. Mais revenez vite. Un peu fatigué là. Je vais chercher un point de sauvegarde. Bon, ok, le train est tout pété. Ça, c'était l'auberge ou c'était un magasin? C'était l'auberge. Le livre d'or, on s'en fout. Oui, je veux me reposer. Parce qu'on a dit à Vivi, on revient dans 5 minutes, mais on a le temps de faire une petite sieste quand même. Hein. Faut pas déconner, Vivi. Arrête maintenant. Hop. La mug poste, donner la lettre. Une lettre de Céline. La mug volante. C'est rare. Merci de me l'avoir apporté. De rien. J'ai eu l'occasion de monter dans l'aéronef rose-rouge. Mais de là, j'ai vu une scène atroce. Odin est vraiment une chimère dévastatrice. Il a détruit d'une seule Kubo le grand arbre de Clara. Il n'en est même pas resté une cendre. Et bonne nuit Anaïs, de toute façon c'est la fin du live, là je vais sauvegarder. Branette a fait disparaître Clara. Quelle reine affreuse Kubo. Et t'as pas de lettre à me donner? Ah, une lettre pour moi. Tu n'as vraiment pas de bon comédien à me présenter. Il y avait un frimeur à Lindblom. Comment il s'appelait déjà? Il n'était pas si mal que ça. En effet, ce n'est pas le moment de se montrer difficile. Notre café-théâtre n'a pas encore beaucoup de succès. Un frimeur à Lindblom? Je suis sûr que c'est Rowell. Michael Rowell? Allez, donne-moi ta lettre. Il y a des choses à me donner celui-là. Fais rien d'autre? Non. Eh bien, on sauvegarde, et puis ben, je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, je me suis amusé comme un petit fou. Et je vous dis à demain pour du BioShock 2. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube. Et à très vite. Bye bye tout le monde.